Je vais bientôt découvrir où se trouve leur base. C'est génial, Chase. Où en es-tu? Mon contact au sein du gang de Rex veut d'abord que je m'occupe d'un truc à l'observatoire. Mais faites passer la bonne nouvelle à Natalia. Si Rex détient son père, il devrait se trouver dans leur base. Je vais réessayer, mais je n'ai eu que son répondeur tout à l'heure. Je pense qu'elle en a marre que je lui demande d'aller promener mon chien. J'essaierai de l'appeler plus tard. Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mario Vidéo 44. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend à quelle heure vous nous regardez aujourd'hui, suite de l'épopée de Lego City Undercover. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je crois qu'on va chercher qui, Natalia, c'est ouais, ça? On va aller chercher. J'ai pas très bien compris ce qu'il disait, en fait, j'écoutais même pas. Donc voilà, donc. En tout cas, le GPS nous indique un endroit, donc on va le suivre. Donc voilà, là, on peut voir les petits points verts. Donc voilà, donc dans cette vidéo, nous allons essayer de bien avancer. Donc bon, pour ceux qui connaissent le jeu, vous l'avez remarqué, on arrive quand même vers la fin. Donc bon, là, je pense qu'il reste environ 3-4 vidéos avant la fin du LP. Hein. Là, on fera la finale boss plus ending, en fait. Oui, voilà. Pardon. Oui, bon, on verra. On verra, donc voilà. Ah oui, ce niveau. Donc voilà, donc petite pour récapituler, la dernière fois on était allé voler une grue. Et donc là, non, je crois pas qu'on. Ah oui, non, là je sais. On va aller c'est voir. Pas un niveau, non, on va aller voir le mec avec sa grue, il est monté là-haut parce qu'en fait on l'a donné à quelqu'un. On va pas aller kidnapper le père de Natalia. Quoi? On va pas aller kidnapper le père de Natalia. Pourquoi? Non. Tu viens de nous spoiler un énorme truc, mais c'est pas grave. Non, mais le père de... Ah non, le père de Natalia, non, il est kidnappé depuis un bail. Ah, ok. On sait pas, ça va pas. Rex veut qu'on vole le télescope de l'observatoire. Ah non, ouais. Voilà, le télescope. C'est vrai que Rex aime l'astrologie. C'est vrai, un télescope et Natalia, c'est la même chose. C'est pas pour Rex. Je suis sûr que c'est pour le vieux, non? C'est vrai. Le vieux? Eh ben, qu'est-ce que t'attends? T'as toujours le marteau piqueur du chantier. Ouais, donc là, il a dit le vieux, donc on sait pas c'est qui le vieux. Ah oui, donc là voilà, donc là on va en fait. Oui, c'est bon, je sais. Merci. Non, mais... enfin l'astuce qu'il a mis. Ah d'accord. Non. Non mais parce qu'il mettait sous les. Mais non. Je me dis ok pas. D'accord, pourquoi il m'envoie chier comme ça? Non. Donc voilà, donc là on va déblayer la route pour laisser passer, je crois, la grue, un truc comme ça. Donc voilà, donc hop et voilà. Et donc là du coup la grue va pouvoir passer, c'est magnifique. Sauf que Chase est resté au milieu. Ah non, c'est pas la grue. Ah non, je crois qu'on doit. Je sais pas. Vous pourrez jouer avec ce camion. Enfin, c'est nous. Attends, il va écraser Chase ou pas? Non, c'était poussé. Il a eu la réflexe. Non, je crois que c'était une cinématique en plus. Donc, ouais, donc là, je crois qu'on va prendre la grue. On va voler le télescope. On va le foutre dans ce camion. Je crois que c'est un truc comme ça. J'ai peur de l'avoir endommagé en venant ici. Vérifie que personne ne s'approche. D'accord. Et je crois qu'on va avoir une course poursuite avec le camion. Je suis pas sûr, mais c'est possible. Ouais, quelqu'un. Ouais. Ah oui, bon, d'accord. Ah oui, non, nous on doit juste. Bon, le. Oui, parce que. Le, ouais, parce que l'autre il est pas très bon avec son marteau piqueur, il sert un peu à rien. Attention, ouais. Là, tu fais. Il a l'air d'être très très. Tac. C'est pas grave, ils sont pas très résistants. Hein. Oh. Je suis sûr le trimestre. Voilà, ça c'est. Bon, bah, c'est comme... Et lui, généralement, je crois que tu ne lui mets même pas les menottes. Je crois qu'il disparaît. Ouais. Une clé? Ok. Ah oui, pour rentrer dans l'observatoire. Ah ouais, c'est ça y est, j'ai remis ce tas de ferraille en état. Ça doit être ça en effet. Il faut qu'on ouvre le toit de l'observatoire. Attends, je regarde un peu ce qu'il dit quand même. Il faut qu'on ouvre le toit de l'observatoire. Ça, c'est pas un niveau, non? C'est juste. Non, c'est juste. Ouais, voilà, c'est pas ce qu'il semble. Et là, d'ailleurs, là, on peut voir en haut là un truc à faire justement avec notre. Oui, parce que dans la dernière vidéo, on a débloqué donc le costume, le dernier costume du jeu, donc qui est l'ouvrier du bâtiment. Et donc, du coup, on peut maintenant utiliser, comme on a eu dans la dernière vidéo, les armoires électriques comme ça. Donc, du coup, on va l'utiliser. Alors là, il y a une armoire électrique. Peut-être. Et je pense que ça va ouvrir cette espèce de dôme. Ouais, je pense aussi. D'ailleurs, après, quand tu reviens ici, il est ouvert ou fermé? Non, je crois qu'il est fermé. D'ailleurs, ici, c'est un. Ah, c'est. Je crois que là. Ici, c'est. On est dans quelle partie? Ah oui. D'ailleurs, ici, je suis sûr, il y a une quête annexe à faire de. Faut voler avec une poule, ouais, je crois. Ouais, et ça te... bah, je et tu montes en haut d'une. Non, on a. On speed un peu, mais bon. C'est vrai que c'est vraiment. C'est un des seuls Lego que j'aime bien parce que moi, la licence Lego, j'aime pas. Enfin, les. Oh non, je veux pas te voir comme. Pourquoi ça. En fait, c'est vrai que ce Lego City Undercover, je l'ai beaucoup aimé, je pense, parce qu'il reprend aucune série. Et puis bon, c'était tellement. Peut-être Lego La Grande Aventure, il doit être pas mal aussi, mais je l'ai pas fait. Sachez qu'il se l'est fait, lui, moi je l'ai pas fait. Bah là, en ce moment, on a Lucas et moi. Pas comme Lucas.
On est en train de se faire Lego Harry Potter allez, à 5 à 7 sur ouais, on l'a trouvé dans le cas. Et... vu qu'en été, il n'y a aucun nouveau jeu qui sort, on s'emmerde un peu. Donc, bon. Donc du coup, Lucas, il finit Wind Waker HD parce qu'on n'avait pas eu trop le temps de le terminer à l'époque quand on l'avait eu. Ouais. Et moi, je m'amuse sur Lego Harry Potter à 5 à 7. Et parfois, Lucas, il vient. Donc, c'est sympa, il est vraiment il est sympa. Vraiment, c'est convivial, c'est parce sympathique. Que... non, mais on aime bien la série Harry Potter. Ouais, ça va. C'est... non, c'est vrai qu'on aime aussi la Walking Dead et tout, enfin bon, bref, revenons à Lego. Ah, d'ailleurs, je voulais dire, dans la dernière vidéo, ouais, c'était dans la dernière vidéo de Lego City Undercover, quelqu'un nous a fait la remarque, je crois que c'est Tone Monsieur, ouais, je crois que c'est Tone Monsieur, il nous a dit, ouais, vous êtes pas, j'ai des cœurs. Il nous a dit, ouais, vous êtes trop vieux pour jouer à Lego, mais juste petite information, quoi, je tiens à préciser, je suis à vitesse maximale. Ah oui, je crois que c'est hyper chiant ce truc. Et tu veux que je le fasse ou pas? J'aime bien faire la course poursuite, moi. T'es sûr? Ouais, j'aime bien. Oh, je change toujours. Ouais. Alors, j'adore la musique. Ouais. J'adore la musique. Ouais, donc, Toad Monsieur, donc, ouais, nous a dit que. Y'a pas de musique, putain. Nous a dit. Enfin, nous a dit, ouais, vous êtes trop mieux pour jouer à Lego, mais. Je veux dire, pas c'est. Pas d'âge pour jouer à Lego. Voilà, enfin, oui, non, mais même, c'est Lego. Oui, et puis sur Lego City Undercover, je vois pas en quoi. Non, franchement, c'est une sorte. Franchement, vous pouvez. C'est comme les gens qui disent ouais, vous êtes trop vieux pour jouer à Nintendo. Oh putain, à Mario par exemple, non, c'est. Y a pas d'âge. Après, évidemment, comme c'est pas non plus si on joue. Ouais, par exemple, c'est pas. Et puis même jouer, on joue pas sinon en vrai. On y a joué quand on était enfant, c'est vrai, mais maintenant, alors que je parle, on joue plus au vrai jeu Lego comme ça, mais je veux dire, on pourrait très bien y jouer, c'est pas non plus choquant, je trouve pas. C'est pas comme si on jouait à des Lego Duplo ou des conneries. En fait, si vous voulez, on a découvert. Ou à des Playmobil peut-être encore. On a découvert les. J'ai fait un saut, j'ai même pas vu. Parce qu'ils sont ouverts, le point il s'est fait. Ah oui, c'est un saut. En fait, on a découvert la série Lego grâce à Lego City Undercover. Et à chaque fois, quand je vais sur l'univers pour voir des messages de gens, y a pas que des enfants, hein, y a des ados, ah, y a même des adultes, y a plein de gens qui jouent. L'avait une super brique sur le truc. Ah, y'a plein de gens qui jouent à des Lego, hein, c'est pas que pour les enfants. Ah putain, j'adore cette partie. Moi, de la ville. J'ai toujours un plaisir à jouer à tous les jeux Lego, sauf les Batman. Je vais pas en parler. D'ailleurs, ça me rappelle un barrage là-bas avec Sacha, on l'avait découvert assez tardivement le jeu. Tout simplement parce qu'en fait, on regardait sur le gamepad, sur la map, et on voulait voir d'où venait l'eau. Parce qu'on voyait qu'elle avait une source, et du coup, on avait suivi le cours d'eau en bateau, je crois, ou je sais plus trop comment, et on était arrivé au barrage. Là, un barrage, là on l'a pas vu, mais pour l'instant, j'ai perdu aucun cœur, Sacha. Alors, si j'ai la voix un peu défoncée parce qu'on a fait une partie de FIFA 13 avec mon cousin. Oh putain! Et ça a fini en grosse gueulade. Donc, enfin, on s'est tapé dessus. On s'est lié. Sacha est mort. Attends. Un but à la 92ème minute a tout changé. Donc, du coup, mais bon, non. Ne nous demandez pas de faire des vidéos dessus. Non. Ce n'est pas dans. Allez voir Mega Steven Boss, oui, il y en a fini. Oh putain! Oh. Je suis allé voir. J'aime espionner un peu les yeux, tu vois. Voilà. Je suis l'espionneur de la chaîne. Non, mais. Oh putain! Je vais voir les vidéos, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fabrique celui-là, le pire en fait, qu'est-ce qui est con avec nous, c'est que des fois on regarde des vidéos, mais en fait on oublie de mettre un commentaire à la fin. On commente pas, on partage pas, on regarde, mais. Si, non, moi je like, mais. Oui, moi aussi je like tout le temps. D'abord je like, après je regarde. D'ailleurs, juste le dis comme ça, sur notre chaîne, vous pouvez voir à qui on est abonné, parce qu'on l'a mis bien. Comme ça, vous pouvez voir à qui on a abonné parce que bon, c'est moi je trouve que c'est sympa de montrer enfin quelle personne on suit et aussi on n'a pas mis nos likes en privé donc vous pouvez voir les vidéos qu'on like. Oh, secret. Tiens, c'est marrant parce qu'on parlait de Walking Dead et je crois que là. Je crois qu'il y a un épisode dedans qui s'appelle Secret, je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais, si, quand il dévoile. Ah oui, oui. Non, on va pas vous spoiler, c'est bon. Bon, bref. C'est quand il dit qu'il y a des zombies dans la grange. Voilà, ta gueule. Donc voilà, donc. Comportement problématique. Ah oui, il y a une chute libre dans ce niveau. Donc, mission spéciale. Ouais. Je me demande ce qui va se passer. Ah, attends, mais je me rappelle plus de ce niveau. Attends, je réfléchis. Je crois qu'il y a une chute libre. Moi, je reste sur ma position qu'il y a une chute libre. Il y en était qu'on a même pas fait d'ellipse. Oh, cinématique. Ouais. Je fais le démo. Tout se déroule comme prévu. Hein? Je me rappelle cette cinématique. Et la dernière livraison. Thank you.
Elle vient d'arriver. Excellent. Maintenant, il ne nous manque plus que le mot de passe pour accéder à l'appareil du professeur. Je pourrais m'occuper de lui, mais... Pas besoin. Mes hommes ont enfin trouvé ce qu'on cherchait pour faire pression sur lui. Votre webcam est encore de travers. Hein? Oh! Mince alors! Satanée technologie! Et ça donne un ton tout bizarre à votre voix. Ah! Je te rappelle plus tard. Le professeur? C'est sûrement le professeur Kowalski. Tiens, tiens, tiens. Quel coup de chance que j'ai pu entendre tout ça. C'est le camion que cet imposteur conduisait. Ah, je crois bien que j'ai été démasqué. Il est sûrement dans le coin. Trouvez-le! Donc, je sais pas vous, mais moi, il me fait penser à quelqu'un, le boss là. Mais, je sais que t'as envie de le dire là. Carrément, tu baves tellement que t'as envie de le dire. Donc voilà, allez, un petit combat, on va. Je te hais, ascenseur. donc allez, un petit combat. Mais je crois qu'il est très court ce niveau. Ouais. Ouais, parce que en fait, il y a un moment, t'as une chute libre et dedans, tu peux gagner plein de pièces, donc ça fait pratiquement la moitié du jeu. D'ailleurs, dans le boss, ah non, ça on va pas vous le dire, on vous le montrera, on essaie. Attends, on est où là en fait exactement? On est allé sous les. C'est un repère de. Je sais pas en fait, on est rentré par les rails. Ah, c'est pas le repère de Rex Fury? C'est sûr que c'est le repère de Rex Fury. Bah, on est rentré, tu sais, dans l'espèce de forêt là. Ouais, on est allé sous les rails, on est rentré dans un tunnel, mais je crois que c'est le repère de Rex Fury, non? Voilà. Je pense. Il y a plein de pièces bleues. Eh ben, d'ailleurs là, à partir de maintenant, vous pouvez finir sur. Ah bah non, non, non. Non, j'allais dire à partir de maintenant, on peut finir le niveau à 100% sur la rue, mais non. Non, vous voyez, là, on peut pas. Ah là là. C'est fait exprès pour t'embêter. C'est mon jeu personnel. D'ailleurs, j'aurais un petit anecdote à raconter sur ce truc-là, mais malheureusement, je peux pas le dire encore, hein, parce que bon, sinon, ça va vous spoiler si vous découvrez le jeu en même attends, temps. Attends, je suis paumé là. Je cherche. Ah voilà. Ah c'est complètement... Ah oui maintenant c'est bon, on a l'électricité maintenant, c'est vrai. Enfin on a l'électricité. On peut réparer les boîtes électriques. Allez vas-y. Oui. Donc voilà, donc on va réparer ça. Je pense qu'il doit y avoir un truc intéressant dans la boîte. Qui s'électrifie. Donc bon là c'est Sacha qui joue, hein, je te le dis comme ça. Vous voyez, parce qu'il joue très mal, je sais. Donc, voilà, regarde, regarde. Oh c'est n'importe quoi Sacha. Donc voilà, donc là je sais. Voilà, oui, bon, on va recommencer la vidéo. Donc, merde. Donc voilà, allez, poste ça, on arrête de dire des grosses conneries. Ah oui, et donc là, Et donc là, Link va connaître le code. Je sais pas pourquoi. Tu peut-être. Tu es trop habitué à jouer à Wind Waker. Ouais, en ce moment, je joue beaucoup à Wind Waker HD. Donc... Wind Waker HD, je précise Wind Waker HD. Parce que Wind Waker, oh, c'est... regarde, la chute libre. D'ailleurs, ça me fait rire, Wind Waker. Il essaie de compléter quand la je carte. Pense... Quand je pense que jeuxvideo.com ont mieux noté. Wind Waker que Wind Waker, mais c'est parce qu'ils savaient pas qu'ils allaient faire un remake. Mais non, mais c'est aberrant. En fait, au meilleur des cas, fallait qu'ils notent pareil. Je sais. Wind Waker HD pouvait pas avoir. Parce que Wind Waker, il a eu 19, d'accord. Il a eu 20, Wind Waker. Ah bon, il a eu 20. Carrément. Ah oui. Wind Waker, il a eu 20. Pourquoi je peux pas souhaiter? Ah bon, il a eu 20. Je croyais qu'il avait eu 19. Non. Wind Waker a eu 20 sur 20. C'est vrai que Wind Waker c'est mon Zelda préféré, hein, ça je vous le dis. Hein. D'ailleurs, je crois si je me trompe pas que Megas Tion Boss c'est aussi son préféré. Regarde, bref. Regarde, c'est énorme. Ah, mais si cette cascade, je sais où elle est. C'est là qu'on voit avec la des oui, rails. Des rails mais ah, c'est pour ça qu'ils ont foutu ça, Sacha. Ah. Tout s'explique dans ce jeu, c'est magnifique. On en découvre tous les jours. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est marrant. Si tu vas dans Zelda Wind Waker, tu vas dans notre détecteur. Tu vois, au début t'as que des 20, et à la fin tu vois, tu tombes où il y a un mec qui a mis 0. Il y a un mec qui a le petit boss, c'est lui le seul mec qui a mis 0. Et là, ça fait des fois. Tu vois, t'as 1000 personnes sur 0 ont trouvé cette habilité. Je suis sûr que ce puits débouche. Enfin, 0 personnes sur 1000. Ah, c'est énorme, c'est laser. En plus, c'est assez lourd la maniabilité. Ouais, c'est vachement lourd. Ouais, enfin, bon, bref, enfin. Pour revenir à Wind Waker HD, même alors non seulement on est en HD, mais en plus je le trouve limite mieux
que Wind Waker premier du nom. Enfin, ça c'est. Plein de trucs parce, que, premièrement, bon, le truc Miiverse, on s'en fout un peu, ça je vous l'accorde. Je peux jouer un peu quand même. Oui, oui. Mais cependant, vous avez la voile rapide, donc bon, et moi je suis désolé. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent, hein, qui préfèrent l'ancienne voile, parce que vous savez, d'ailleurs, on l'a aussi, hein. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre la voile rapide. Mais en fait, sur Wind Waker HD, vous avez une voile rapide qui vous permet, bah, comme son nom l'indique, d'aller rapidement. C'est-à-dire que la voile normale, faut mettre le sens du vent et tout. C'est relativement chiant quand même. Alors que là, bah, on n'a pas tout ce bordel à faire. Et moi, je trouvais ça pas mal. Pareil, ils ont réaménagé un peu la quête. La quête des Triforce. Parce que ouais. Si je me souviens bien, dans Wind Waker premier du nom, fallait. Fallait trouver d'abord toutes les cartes et après c'était assez. On a. C'est qui est dans la boîte là? Enfin bon, bref, en tout cas. Mais attends, c'est quoi ce B là? Qu'est-ce que c'est que ce B? Ah oui, tiens. B. Le B comme. Mega Steven Boss. Non, pas du tout. Comme. Eh bien, tout à fait que non. Ah non, je crois savoir ce qu'il faut pour le prendre. Oui. Et c'est marrant, ils ont foutu plein de trucs. Regarde tous les trucs, quoi. Ils sont sadiques, on a tous les. Parce que ça, enfin bon, non, lui parle. Et bah d'ailleurs, va le faire, non? Faut pas le dire. Faut pas dire comment. Attends, c'est rouge, jaune, vert, bleu. Ouais, d'ailleurs aussi, je voulais vous parler d'un truc, c'est qu'en ce moment, les vidéos, ça, vous avez peut-être remarqué, d'un coup, il y a plein de vidéos, et puis d'un coup, on n'a plus du tout. C'est-à-dire, par exemple, d'un coup, 5 jours d'affilée. Mais en fait, je crois qu'on va plus faire comme ça, on va faire une vidéo tous les deux jours. Enfin, une vidéo un jour sur deux, plutôt, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est à notre maison de vacances, il se trouve qu'on n'a pas tout le temps Internet. Ce qui fait qu'en fait, bah, vous le comprenez, on peut pas vous envoyer des vidéos tous les jours, mais on essaie d'en envoyer plein, c'est assez compliqué, quoi, pour nous, et voilà, donc comme c'est assez compliqué, on tourne des vidéos, le pire c'est qu'on en tourne pas mal, mais on peut pas les envoyer. C'est quoi ça? C'est con, je sais pas. Et aussi, peut-être vous avez des montages d'un peu moins bonne qualité en ce moment aussi, mais c'est parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sur le même. Non, mais c'est limite ça, mais c'est parce qu'on n'est pas sur le même ordinateur, ça fait que bon, voilà. Mais vraiment, je m'excuse. Peut-être que le son, surtout de nos voix, c'est ça. C'est peut-être le son de notre voix qui est de moins bonne qualité. Bon, je pense que ça reste potable, hein. Mais bon, ça reste potable. Mais bon, je pense que ça va. Mais attends, en fait, on parle, mais je sais même pas combien de minutes de vidéo on est. 18 minutes, non, ça va. Je crois qu'on avait. Ah, comme t'as fait un gros blanc, un gros silence, j'ai cru que ça filmait pas, tu vois. Comme t'as fait un gros silence. Non, parce que au moment que j'ai fait l'ordinateur, il a ramé. Non, mais j'espère que ça va pas. Non, je pense pas que ça va. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? Et on le fait tomber. Et il y a un mec déguisé en Napoléon qui dit non sous-marin. D'ailleurs aussi, là c'est la vidéo un peu annonce. Pendant les vacances, j'allais faire du matériel à l'intérieur. Hein, c'est quoi? Ah ben non, ce moteur pour passer à travers la porte renforcée là-bas. Ouais, donc pendant les vacances, vous allez avoir un nouveau concept de vidéo qui va arriver. On est en train de l'élaborer avec Sacha. On travaille dessus. Vous savez. Non, il va arriver prochainement. Hein. Peut-être milieu vers août et tout. Mais à mon avis, ça va vous plaire. C'est un truc qu'on réfléchit. Même, on pense aussi à un autre encore concept. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. C'est le deuxième, je pense qu'il va plus vous plaire. Ouais, ça va être pas mal aussi. Mais bon, en travail, on essaye. Parce qu'on essaye de faire des trucs originaux quand même sur notre chaîne. Parce que bon, on trouve. En fait, pour tout vous dire. C'était bizarre, ma voix elle est un peu. Ouais, faut les tuer. En fait, pour tout vous dire, trouve. Non, attends, je vais m'en occuper parce que je crois. On trouve qu'en ce moment nos vidéos se répètent un peu et voilà, donc on trouve que c'est un peu de la merde ce qu'on fait en ce moment. Donc on est en train de réfléchir à des nouveaux concepts. Ouais, c'est ça, on peut dire, de nouveaux concepts. Parce que bon, pour l'instant, sur notre chaîne, on fait des LP. Bon, sinon, dans les trucs un peu plus original, on fait des. La récapépé d'unité de direct, mais bon, c'est relativement rare. Donc, ouais, bon, c'est rare. On va essayer de trouver un truc que ça sort plus souvent, un truc original. Mais bon, vous allez voir, à mon avis, ça va pas mal vous plaire. Bon, casse-toi au pire, chromé. Il est décédé. Ok. Bon, voilà. Ah non, pas du D'accord, je vais prendre ça. Je sais jamais, ça. Et aussi, là, un truc aussi qui est pas mal, c'est que là, on a remarqué pendant les vacances, vous êtes vraiment extrêmement nombreux. Je crois qu'au début des vacances, vous étiez dans les peut-être 1000,
1400, hein, ouais, ouais, ça devait être un truc comme ça, 1400, notre 1500. Notre objectif, c'est d'avoir 2000 abonnés. Voilà, avant la fin des vacances, non, peut-être pas non plus, mais... bah oui, on attend vraiment les 2000 abonnés. Parce que, c'est pour vous dire, là, vous êtes presque... alors, la dernière fois que j'ai eu, parce que là, ça fait depuis maintenant si longtemps qu'on n'a pas, vous étiez, je crois, 1650, hein, à peu près, hein, à peu près quoi. Ah, il y a une brique rouge. Donc voilà. Non, pas 1650, 1750 en plus. Je pense qu'on aura bientôt 2000 abonnés. Ouais, et en tout cas, bah voilà, mais ça monte vraiment vite et on est content. Attendez, 1600. Attendez, j'ai un doute. 1650. Non, je crois 1750. Ouais, si vous étiez 1750. Non, mais ça, oui, parce que comme je l'ai dit au début des vacances, j'étais dans les 1400 et là vous êtes déjà dans les 1750. Donc c'est. Ça monte vite à un point. Pour vous dire, à l'époque, sur Dailymotion... oui, on a été sur Dailymotion pour ceux qui nous disent. Voilà, on a été pendant 6 mois dessus, à la fin on avait 30 abonnés. Même moins que 30 abonnés, 25 abonnés. Ce qui fait qu'en 6 mois on avait gagné 25 abonnés. Bon, je sais, Dailymotion a moins demandé tout, mais... Et là, en un mois, on a gagné 300 abonnés. Oh putain. Donc bon, c'est vrai que ça... Même quand on est arrivé sur YouTube, hein, ça nous a pris peut-être 3 mois avant d'avoir 100 abonnés. Mais vraiment, on tient à vous remercier. Le plus dur en fait sur YouTube, c'est d'avoir 100 abonnés. Après, ça va comme ça. Ouais. Enfin, faut quand même. À partir du moment. Et puis, même quand on a eu 1000 abonnés, je me suis dit, oh, putain, ça va reprendre un an. Parce qu'on a pris beaucoup de temps, on a pris plus d'un an avant d'avoir 1000 abonnés. Donc là, bah, à moi et sa chance, je me dis, ouais, bon, ça va reprendre un an avant d'avoir 2000 abonnés. Sauf que ça va prendre moins d'un an, à peine même pas 6 mois en fait. Bon. Par contre, la truc vraiment qu'on veut améliorer sur notre chaîne, c'est les lives, parce que bon, c'est un peu de la merde. Bon, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Tu veux crever, monsieur? Faut que t'appuies sur A en rafale. Rappelez encore une fois sur que... A. Encore une fois. Les lives, c'est vraiment de la merde. Mais vraiment, vraiment de la merde. C'est le seul qu'on avait vraiment trouvé assez bien avec sa chaîne, c'était celui de MKWI. Qui était pas mal, mais là, c'est pas terrible. Hein. Parce qu'en fait, ça lag. C'est ça le problème, ça, c'est... C'est même pas tellement notre façon de commenter, c'est le problème du lag. C'est sûr. Donc, qu'il y a un truc, hein. Je pense qu'on va passer sur. Ouais. Non. Là t'as un truc là. Je pense. Ouais, je pense qu'on passera sur Twitch. Pète. Donc voilà. Aussi on fait un autre. Je travaille avec quelqu'un, enfin pas avec Sacha. C'est pas des vidéos, c'est un autre projet qui arrivera, mais pas tout de suite. Peut-être carrément vers Noël. Enfin bon, ça je peux le pas du tout. Fantastique de Sky. Je peux pas vous en parler, je suis désolé, je peux pas vous en parler, c'est pas des vidéos, hein, je vous rassure, c'est quelque chose ça vous concerne pas. si, ça le gars, ça ne vous concerne pas. Ça concerne, mais c'est, à mon avis, pour, truc là, le voleur. Oui, mais... Ah oui, tu crois que j'ai... Ah, qui ne tente rien, moi. Ah, bah oui. Je suis débile, est-ce que je suis débile? Non. Voilà, enfin, en tout cas, je travaille ça, mais je peux pas vous en parler avant le... Par respect. Ah bah oui, évidemment. Ce n'est pas dans ses capacités intellectuelles de vous parler. Non, mais c'est pour pas que. C'est pour pas faire dégénérer une émeute folle. Non, je sais. Non, mais je peux pas. Non, je peux pas. Ah polémique. Non, je peux pas. Non. Pour vous dire, je ne suis même pas au courant. Mais si. C'est bien de l'apprendre. Hein, non. Bref, ouais, donc oui. Donc il fallait ça, le truc de vert. Et là, tu vas peindre ça et ça va nous donner. Je sais pas pourquoi. J'avais un souvenir que le niveau était hyper court, en réalité, il est hyper long. Oui. Ah bah non, il était là, Sacha. Le jackpot. Oh. Et bah voilà. C'était ça que moi. Sacha à plusieurs reprises a failli nous spoiler. Vous avez débloqué le réacteur dorsal. Alors ça c'est énorme. En fait ça, avec ça vous pouvez mais tellement cheater. Ça va vous faciliter les quêtes annexes dans la ville. On vous conseille. Ah non, mais vous pouvez totalement cheater. Mais c'est un truc de malade. Vous pouvez faire tout, regardez. C'est, en fait vous volez. C'est aussi simple que ça. Regardez, je peux. Ah, pendant une certaine période. Oui, bien évidemment, sinon... Parce qu'en fait, la technique dans ce jeu, c'est que vous pouvez... Désolé, j'ai un peu perdu la main sur le jeu. Mais sur le moindre petit rebord, vous pouvez rester. Donc du coup, vous pouvez complètement tricher. Alors juste, c'est-à-dire, sur 3DS, vous pouvez voler avec le réacteur dorsal que sur ces espèces de petits symboles, comme on a vu. Ouais, parce que bon, ça devait pas être assez puissant, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, et... Arrête de faire ça, c'est très énervant pour ceux qui regardent la vidéo, je pense. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Je sais pas, il y a un levier. Oui, je vois ça. Attends, monte là par les caisses là. C'est un raccourci, je pense. Ouais, mais non, t'es con, c'est tout ce que je viens, je crois. Ah là.
Ouais, et là, regardez. C'est pas... En fait, vous pouvez tricher. Vous pouvez complètement tricher. Enfin, vous pouvez faire tout avec ça. C'est-à-dire, vous pouvez. Par exemple, des fois, vous avez des faces chiantes. Surtout, ce qui est bien, c'est dans les parcours acrobatiques. Je crois que t'es pas obligé de le prendre en plus, le truc. Quel truc? Ça, t'es pas obligé de le prendre. Ça, là? Ouais, non, pour moi, t'es pas obligé. Ah, si, si, t'es obligé. On pouvait pas venir là. On avait un. Alors là, il y a un truc de dynamique. Parce qu'en fait, les anneaux rouges, ils vous permettent de vous régénérer. Sur le côté, là, les cosquets sont. Non, pas là. Tu as perdu la main. Pardon. J'ai perdu la main sur le jeu. Ah, mais putain, bon. Merci, Gertrude. Moi, c'est dommage, j'aurais dû faire une brique rouge qui te permettait de voler à l'infini, tu vois. Ah, ouais, ça. Mais et. Ah putain. D'ailleurs, une fois avec Sacha, on a eu un bug comme ça, on s'est carrément envolé. Tu rappelles ah oui, on était oui, carrément sorti. C'était avec un cochon, on était sur un cochon, c'est pas vrai. Ah oui. Oui, je pense que c'est bien. On était sur un cochon. Et je sais pas, je crois que c'était quand, au moment de l'envoyer sur le canon, non, je sais plus. En fait, cas... on était dessus et quand on a tourné la caméra, d'un coup, on sait pas pourquoi, on était hyper haut dans le ciel. Belle vue sur l'Eco City. Mais carrément, non, mais c'était carrément le perso qui. Là, un bug comme ça dans Super Mario Sunshine qui te fait t'envoyer. Évidemment, évidemment, nous n'avons pas les réflexes d'envoyer des matchs sur Miiverse. Pourquoi? En fait, pourquoi je suis con, regarde, j'ai même pas vu qu'il y avait ça. Ça passe sans problème. Ça me stresse toujours, ce truc-là, où tu... ça peut se tomber n'importe quoi. Là, je crois que ça va péter. Comme dirait jeuxvideo.com, des problèmes de perspective. Oui, on a joué. Non, mais des fois, si non, mais des fois dans, même dans... Parce que moi, je lis beaucoup jeuxvideo.com magazine, là. Enfin, jeuxvideomagazine.com, plutôt, c'est dans ce sens. Des fois, non, mais c'est marrant, parce que les journalistes, des fois, ils donnent des trucs mais tellement cons. Par exemple, dans le K8, pour Mario Kart 8, ils avaient donné comme point faible des amitiés brisées. Enfin, c'est dans le magazine que je vous parle. C'est-à-dire, en clair... que le point faible, c'est que vous pouvez rager sur le jeu, mais c'est tu veux dire, le but de Mario Kart 8, c'est de faire rager ses amis, quoi. Enfin, non, mais je sais pas vous, mais je veux dire, quand vous jouez, quand vous voyez votre ami qui est en train de rager comme un porc parce qu'il est dernier, c'est toujours marrant. Enfin, moi, j'ai un exemple plus flagrant, jeuxvideo.com, point faible de Donkey Kong Country Tropical Freeze, trop dur. Le point faible, trop dur. Non, mais ça, c'est marrant parce que toujours, soit c'est trop dur, soit c'est trop. En fait, la cinématique, je pouvais plus bouger, j'avais lâché. Je sais pas, Tropical Freeze, trop dur, mais c'est quand même un peu l'objectif du jeu. Oui, non, c'est pas ça. C'est parce qu'il compare à des jeux comme Brush U qui sont trop simples, c'est uniquement pour ça. Hein. Ouais. C'est. De toute façon, alors, Brush U disent trop simple, contre Tropical Freeze, ils disent trop dur. Alors, Luigi U, ils disent trop dur aussi. Luigi U. Si, ils disent trop dur. Oh là 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 là. Que faisons-nous aussi? Il dit c'est dommage que dans le boîtier de Luigi U t'es non, pas le problème. En fait, le problème de jeuxvideo.com, je trouve, c'est que bon, on va pas débattre 100 ans dessus, hein, mais bon, en fait, c'est que la note, si vous voulez, quand le jeu sort, ils ont même pas besoin de tester le jeu, ils savent déjà la note qu'ils vont lui donner. C'est ça. C'est totalement ça. Video Gamer, eux, ils sont bien. Video Gamer, ils aiment bien. Je crois que le New Super Luigi U, il lui avait donné combien? 12, je crois, un truc comme ça. Non, pas 12 quand même. Jeuxvideo.com, oui, 12. C'est tellement con, je veux dire. Oui, Jeuxvideo, c'est ce truc. Ça. Mais allez, mais prends-le! Oh putain! Ouais, non, mais parce que Jeuxvideo, je crois que beaucoup de personnes ont cru que c'était pas un DLC. C'était un DLC, hein. Un DLC Luigi U, hein. Oui, mais j'avais entendu un mec dans une vidéo, il avait dit: ouais, Luigi U, le problème c'est qu'il ressemble trop à Brush U. C'est un DLC, hein. Enfin, ça c'était pas sur jeuxvideo.com, ils sont pas coincés quand même. Ouais, mais non, mais c'est... En plus, même pour un DLC, ça avait rajouté plein de trucs sympathiques et tout, et puis... Non... Bon, c'est vrai. J'ai jamais vu un DLC avoir plus de 14. J'ai jamais vu un DLC avoir plus de 14. Ouais. Non, mais c'est ça le problème de jeu. Ils définissent la note. Jeuxvideo.fr, c'est tellement... Je comprends tellement pas leur système... Pour chercher les tests, tout ça, j'ai abandonné, je suis venu faire, j'ai jamais compris quand c'était foutu. Si, c'est 1 sur 10 en fait. Oui, mais ouais. Même leur truc pour chercher les tests, tout ça, j'ai jamais compris. Bon, par contre, attends, je vais regarder à combien de minutes de vidéo, hein, parce que on doit être assez long quand même. Presque 30 minutes là. Oh là là. Bon, je pense que c'est. Fais voir la barre. Ouais. Non, c'est la fin. Mais, en fait, le truc qui est chiant, c'est qu'arrivé vers la fin, les ennemis sont juste énervants. Non, on s'en fout de ça. Tac.
Allez, je on cheat. On cheat. Ça. On va aller un peu plus vite parce que là, c'est bon. On va pas rester. On s'en fout de ce truc là. Tu vas voir, on va être bloqué parce que. Ah, ça me bloquait parce qu'il fallait faire le truc là. On est keblo les mecs. Bon, allez. On va arrêter de plagier Hooper. Le marteau piqueur. Non, enfin, pas Hooper, le marteau piqueur. Hein. C'est pas ça. C'était pas une rime de. je voulais pas faire une rime de merde, mais. Hooper, le marteau piqueur. Non, Hooper, le marteau piqueur. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais je le pense en même temps. Et... Non, je. Non, c'est vraiment fait comprendre. Pour dire des sornettes comme ça. Allez. C'est bien beau de faire tourner. Qu'est-ce que tu me fais toi? Carrément, t'as une brique rouge qui te permet d'éteindre la cible. Donc je... Ouais. Je sais pas vous, mais ça, je trouve ça pire. Dans tous les Lego, t'as la brique rouge invincible. Enfin bon, vous l'avez limite quand vous avez le film déjà. Enfin non, même pas en fait. Je sais pas pourquoi on dit ça, parce que les briques rouges, tu peux l'avoir dans l'ordre que tu veux en fait, en réalité. Enfin... Non, peut-être t'es obligé quand même d'avoir fini le jeu, mais pas à 100%. Quoi. Bah, disons pour les briques rouges, par exemple, la brique rouge pièce x10. De toute façon, je trouve cette brique totalement conne parce que déjà dans le jeu vous êtes limité invincible. Non, mais par exemple, je te conseille de d'abord prendre la brique rouge pièce x2, après cette pièce x4, tout ça, alors que de directement commencer par la pièce x10. Parce que c'est super cher, la brique rouge pièce x10. En plus, c'est déjà pièce x2, x4, x5. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut descendre, non? Non. Je sais pas. Non, faut pas. Ah bah non, je t'avais pas vu ça. Non, à gauche. Ah non, t'avais un truc téléporteur. Mais non, mais c'est là, Sacha. Ah, pour moi, non. Ah non, pour moi, non. T'es sérieux? Ouais. Non, là, retourne là. Là. Vous voyez? Oh la haine, putain. Mais c'est pas grave. En fait, c'est juste ce qu'on a fait. Vous voyez là? Oh putain. C'est marrant, je me souvenais que ce niveau en fait il était. Enfin, cette partie du niveau là, je croyais qu'elle était dans une autre partie du jeu, plus loin encore. Parce que là vous verrez, enfin non, je vais pas vous spoiler. Que... Mais bon, je croyais qu'elle était pas dans ce niveau en clair. Mais ça, cette fin de niveau, je me rappelle, elle m'avait. Je me rappelle qu'elle était chiante. Non, là tu pouvais couper direct. Ah oui, c'est vrai. Faut couper, c'est le passage. C'est vite dit. Là, maintenant que tu es là, tu arrives là. Maintenant, tu prends l'échelle. Là. Okay. Oui. Bon, je pense qu'on arrive quand même vers la fin. Ah, mais oui, je suis trop con. Hein. C'est un peu le même principe que la poule. Ouais, en fait, en clair, vous en prenez. Après, il tombe quoi si vous ne le prenez pas. Et c'est aussi simple. C'est un niveau de l'astronaute, ça. Hein. C'est pour tester la nouvelle capacité. Alors, qu'est-ce que vous allez donner? Un pétard. Tu crois? Ah non, un distributeur de pétards alors? Ah bah non, un pétard. Qui était dans une caisse, une grosse caisse pour juste ça. C'est de la TNT en réalité, je sais pas pourquoi Sacha a dit pétard. Nanana. Ah. Allez, on vous laisse la cinématique, vous l'avez mérité. Jamais je ne vous aiderai. J'en peux plus. Ça devrait suffire, Rex. Mon cher professeur. Oh, attendez. Satané ordinateur. Mon cher professeur Kowalski, soyez raisonnable, s'il vous plaît. Forrest Blackwell. Vous m'avez menti. Vous disiez que mes recherches profiteraient à la société. Oh, bien sûr. Mais pas à cette société-ci. Cette société qui a dédaigné mon cadeau. Cette société qui m'a fait passer pour un idiot.
quand je lui offrais le paradis. La construction de votre monstruosité dans le parc national de Bluebell aurait tout empoisonné. La faune et la flore auraient été totalement détruites. Oh, bouh, Sniff, comme si on n'avait pas assez d'écureuils. Continue, monstre, fais ton office. Professeur, oh, je n'oserais pas vous faire de mal. Papa! Oh, ma Natalia! J'ai vu ce qu'ils manigancent! Ne les aide pas! Par là, ma chère. Mes intentions sont claires, n'est-il pas? Oui, le mot de passe pour l'appareil est Forest Blockpen. On dirait que ça marche. Merci, professeur. Oh, comment mince. Cette sacrée ordinateur. Est-ce que quelqu'un va finir par me le remplacer? Et ma fille, alors? Quoi, votre fille? Oh, Natalia. Qu'ai-je donc fait? Wow. Service d'étage. Ah, c'est pas toujours. Et donc voilà, on a pas du tout fini le niveau. Donc écoutez les amis, on va quand même se quitter là, bon, parce que bon, la vidéo fraude les 40 heures, les 40 minutes je veux dire. Donc voilà, alors écoutez, si la vidéo vous a plu, non, attendez, c'est trop stylé ça. Ah mais ah, attends. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à sauvegarder. Oh là là, mais c'est ce que nous allons faire après la vidéo. Non, parce que je pensais que la dernière fois on avait oublié de sauvegarder, on a dû se retaper à autre niveau. Ouais, donc bref, donc écoutez les amis, c'est ceci pour ce kit. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la commenter. Et si vous êtes nouveau, de quoi faire ce chat? Bah de s'abonner. Ah non, je pensais pas ça. Ah, tu pensais à quoi? Allez, au revoir tout le monde. La Wii U. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va.